Bonsoir, salam alaikum. Salam, bienvenue. Mahba bikoum kamli. La bande passante. Alain Pilot. La bande passante sur RFI. Dans le supplément de cette bande spéciale rencontre franco-marocaine depuis El Jadida au Maroc, en plage 1 et 2, la retransmission de la création Je me souviens, où quand 22 chanteuses et chanteurs marocains et français partagent leurs premiers émois musicaux au bord de l'eau, vous allez ainsi entendre sur scène ou à quelques minutes de leur prestation Seb Martel, Sarah Murcia ou encore Anas Medel Ismaël, Jeanne Haddad, La Robe et L'Échelle. T'avais mis ta robe légère, moi l'échelle contre un cerisier. T'as voulu monter la première, et après, il y a tant de façons, de manières de dire les choses sans parler. Comme tu savais bien le faire, tu l'as fait. Un sourire, une main tendue, et dans le jeu des transparences, ces fruits dans les plis du tissu qui balance. S'agissait pas de monter bien haut, les prêts sur les premiers barreaux. J'ai senti glisser le manteau de l'enfance. On n'a rien gravé dans le marbre, mais j'avoue souvent y penser. Chaque fois que j'entends qu'un arbre est tombé, un arbre s'est vite fondu, le bois, quelqu'un a dû le vendre. Si ça avait le mal que j'ai eu à descendre. D'ailleurs en suis-je descendu, et tout est sujet de transparence, et fruit dans les plis du tissu qui balance. J'ai trouvé d'autres choses à faire, d'autres sourires à croiser. Mais une si belle lumière, jamais. À la vitesse où le temps passe, le miracle est que rien n'efface l'essentiel. Tout s'envole à l'ombre légère, tout sauf ce bout de fièvre et de miel. Tout s'est envolé dans l'espace, le sourire, la robe, l'arme et l'échelle. À la vitesse où le temps passe, rien, rien n'efface l'essentiel. Chose à faire, d'autres sourires à croiser, mais une si belle lumière, jamais. Et voilà que du sol où nous sommes, nous passons nos vies de mortels à chercher ces portes qui donnent vers le ciel. Voilà que du sol où nous sommes, nous passons nos vies de mortels à chercher ces portes qui donnent vers le ciel. La robe à l'échelle de Francis Cabrel, le choix du Marocain Anas Medel Ismaël, qui jusqu'alors ne comprenait pas pourquoi ses pères étaient si insistants à propos de leur enfance, période dite cruciale pour forger son profil musical. Aujourd'hui, avec l'âge, il saisit ce que ses musiques entendues tout petit ne sont pas étrangères au style qu'il pratique. Et Francis Cabrel fait partie de la bande son de sa jeunesse. En proposant à Jeanne Haddad de partager cette chanson, l'échelle du frisson était à son maximum. D'autres, moins nostalgiques, préfèrent se projeter dans le futur. Et c'est ce qui a touché Franck Monnet dans la démarche de Michel Delpech il y a bien longtemps, avec « Quand j'étais chanteur » devenu un incontournable et repris très originalement par Soufiane Mazine grâce aux arrangements subtils de Sarah Murcia. «
J'ai mon rhumatisme qui devient gêné. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. J'ai fait de la chaise longue. J'ai une babysitter. Je traînais moi la jambe quand j'étais chanteur. J'avais les bousses blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. C'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête quand j'étais chanteur. Un soir à Saint-Georges, je faisais la kermesse. Ma femme attendait, planquée dans la Mercedes. Et s'est festé dans l'Indre par ton mon fin club. J'avais envie de dingue quand j'étais chanteur. Les gens de la police me reconnaissaient. Les excès de vitesse, j'ai payé jamais. Toutes mes histoires, oh baby, s'arrangeaient sur le. On pardonnait tous mes écarts quand j'étais chanteur. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. J'ai appris que Mick Jagger est mort dernièrement. J'ai fêté les adieux. Sylvie Vartan, pour moi y'a longtemps, c'est fini. Je comprends plus grand chose aujourd'hui, mais j'entends quand même des choses que j'aime, et ça distrait ma vie. Concert à El Jadida au Maroc sur RFI. Soufiane Mazine et Franck Monet, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Par le plus bas de Dalida, c'est ce que vous fait chanter Soufiane Mazine. Franck Monet. C'est un cadeau magnifique. Parce que depuis qu'il vous le fait chanter, vous êtes replongé dans l'histoire du film, dans la chanson. Non, ouais, je me suis plongé dans la chanson, cette magnifique musique de Nino Rota. Voilà, on parle du parrain tout de suite, il y a la police qui arrive. Non, c'est la musique du parrain. Et puis, non, j'ai pas revu le film, mais j'ai écouté la version de Dalida, qui est comme toujours incarnée, habitée, vibrante. Alors, Soufiane, pourquoi cette chanson ? Pour moi, Par le plus bas, oui. Vraiment, ça représente un truc assez exceptionnel pour moi. Déjà, j'ai vu le film Le Parrain. Et depuis que je l'ai vu, ça me fascine. Ça hante, enfin, tu vois. Tu vois, depuis ça monte, enfin, l'esprit. Ça ne vous lâche pas ? Non, du tout. Jamais. Wesh. Suite de la plage une du supplément de la bande sur RFI qui vous fait vivre cette création originale intitulée Je me souviens, Yasmine Madjour se souvient d'avoir découvert cette chanson de Sting en 2003 aux États-Unis. Une décennie après, la magie des mots et de la mélodie la transporte toujours. C'est avec Kid With No Eyes, son binôme, ici à El Jadida, qu'elle nous invite à retrouver les mêmes émotions. Until. The words in a bottle and there
was still beneath the moon. Without your love, would it shine for me? If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon, what would it all matter if you loved me? Here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, no matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, when everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment until the dancing ends. If I call the world in an hourglass, saddle up the moon so we could ride until the stars grew dim, until one day you'll meet a stranger and all the noises settle in the room. You'll feel that you're close to some mystery. In the moonlight, everything shattered, than all that if you've known it all your life. The world all in a stunning history. Here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, when everything seems to be clear, not a sound of your things would I fear, except when this moment until right until the stars grew dim, until the dark stands still, À peine 14 ans, Fatine n'a pas froid aux yeux, même et surtout lorsqu'elle doit battre le manche avec le virtuose de la guitare Seb Martel, qui lui demande de lui faire revivre ses premiers souvenirs musicaux grâce à ce standard de Julien Clerc, Ma préférence, morceau sorti en 1978, année où une monitrice de centre aéré prenait le petit Seb dans ses bras. Sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cet air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent une offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, qui sait sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est, et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait, mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais compter la foi. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle est mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Thank you.
seule, je sais compter la fois. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle est mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois nous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi, ma préférence à moi, ma préférence à moi. La bande passante sur RFI, émission spéciale au Maroc. Le binôme. François-Marie Atissa, bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, François, avec un tel nom de groupe, and the Atlas Mountains, les montagnes de l'Atlas, vous ne pouviez faire autrement que de vous produire au Maroc. Ouais, j'essaie de me rapprocher des montagnes de l'Atlas, c'est un endroit rêvé pour moi. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai écouté en enregistrement des chants qui se passent dans les montagnes, et petit à petit, je me rapproche, là on est à El Jadida, et j'ai collaboré avec Atissa, qui est un chanteur de Soufi. Et c'est un chanteur clé de la région, et tout le monde le connaît dans le coin. Et il chante pour beaucoup de cérémonies, beaucoup de festivités. Atissa, oui. Vous connaissiez François and the Atlas Mountains avant de le voir ici? Non, c'est la première fois que je connais François. Bon, c'est comme je le connais depuis X temps. François, vous allez chanter Almat El Halali? Il y a Mohamed Saïb. Oui, je chante. C'est une chanson, c'est pas une chanson religieuse qui porte deux sujets. Le premier sujet, c'est on chante sur le prophète, notre prophète Mohammed. Et le deuxième sujet, c'est sur le roi Sa Majesté. Pour cette chanson, ça, c'est, si vous voulez dire, que c'était la clé pour moi, qui m'a développé à chanter. Parce qu'avant, je chantais simplement les chansons Sophie, les chansons religieuses, mais sans musique. Et ça, c'est elle qui m'a préparé. C'est la première chanson que j'ai apprise. Et la première chanson que j'ai appris avec des instruments musicaux. Et vous, François-Marie, ça vous a donné envie, comme Atissa, de vous plonger dans le répertoire de ce que fait Atissa? C'est un répertoire incroyable. Les chansons sont très très longues, très très étendues. Il y a beaucoup de parties au morceau. Heureusement, il y a des refrains. Donc j'ai pu me reposer sur un refrain qui est une partie qui revient. Le fait d'avoir suivi H dans ses différents concerts et cérémonies, etc., c'est vrai que c'est une musique qui est... très profonde, très spirituelle bien évidemment, mais j'aimerais beaucoup m'y plonger, mais malheureusement à cause de la langue et de l'étrangeté des rythmes pour moi et des mélodies, ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Votre rencontre, François-Marie, de François and the Atlas Mountains avec Atissa, parmi toutes celles qui se sont faites jusqu'à présent, apparemment une des plus fortes, des plus marquantes, a commencé par votre rencontre avec le chant sacré. Oui, c'est vrai que c'est vraiment un élément très particulier de la culture marocaine, ces chants-là sacrés. J'avais très envie de me plonger dans la musique telle qu'elle est faite ici. Ça a été très impressionnant d'une part d'entendre ces morceaux, mais aussi d'aller dans l'environnement où tous les hommes se réunissent et sont écoutent très sagement ces chants. Et aussi d'aller à côté de la mosquée, d'écouter Hage chanter. Pour moi, c'est vraiment ce dont je rêvais, quoi, de pouvoir me plonger dans une culture vue de l'intérieur, vraiment. Merci beaucoup, François. Avec plaisir. Shukran, achetez ça. Shukran à la wajib. Et la prochaine chambre. Je me souviens, le concert à El Jadida au Maroc sur RFI. La page 2 du supplément de la bande, juste après avoir fait le tour du monde de l'actualité en 3 minutes sur RFI, toujours Al Jadida au Maroc avec Fred Poulet, Mehdi Calibre et Sarah Murcia. A tout de suite, Stanadjao Bahada Halhabar. R F F.